Ouais. On a pris un bon départ. Ça, c'est super. Nickel. Jusque là, ça va, on a croisé dans tous les bateaux, ça va pas être le cas après. Là, on va avoir le groupe de droite qui va nous passer légèrement devant pour certains. Voilà, écoute, on est quand même content parce que le départ était compliqué, il y avait moyen de se faire piéger et embêter par pas mal de bateaux. Et l'objectif était de partir propre, quoi. Moi j'avais jamais fait de bateau d'Imoca à Foyle, donc et ça se passe pas trop mal. Là on arrive à tenir le rythme un peu mieux, donc c'est satisfaisant, mais on a essayé plein de choses différentes. On découvre le fonctionnement du bord sur le long terme. Voilà, globalement c'est pas désagréable. J'avais même pas dit. Ça devait être un reaching rapide et là on est en train de se dire qu'on va finir par faire des manœuvres, des empannages pour aller au fastnet quoi. Donc on crée notre voile parce qu'on adore ça, sortir tout le linge. Là on est à 40 000 du fastnet. Et on vient de se faire passer dessus par un front ou un gros grain, je sais pas, qui est monté à 40 nœuds, alors qu'on était en train de préparer le plus grand de Jirac. Donc on a failli se faire cueillir. Heureusement, tout s'est bien passé. Ouais, bah nous voilà à barrer le bus de l'intérieur. On n'a pas trop d'autres choix parce qu'on n'a plus de pilote. On a arraché les deux supports des vérins de pilote là entre hier et aujourd'hui. Les ailettes de côté, elles sont hyper fines
Et puis en plus j'ai pas de quoi mettre en appui. C'est un peu galère quoi. Qu'est-ce que t'en dis, on suit notre plan là. Ouais. On fait la route et on essaie d'atteindre le waypoint. Là ouais, ça va être un mode de Figaro quoi. À toi, à moi, chacun sa barre. Ouais, ce qui serait bien, c'est de ne pas abandonner. Ça, c'est toujours mieux. Et après, on regrette. On a décidé quand même de continuer. On a contourné le waypoint Gallimard et on fait route vers Brest. De toute façon, il fallait rentrer. Donc, on a juste fait les 40 derniers milles qui nous restaient pour contourner le waypoint. Et comme ça, on peut finir le parcours. Là, on est à 23 nœuds. C'est pas mal. On était en train de dire que c'était pas mal d'avoir des vitres quand même pour voir devant. Et que ça va quand même bien. On est content de nous.